Salut les winners! Ça va? Moi ça va super, même si la moitié de ma communauté c'est des rageux. Rageux, jaloux, kikou, pense bon, il y a plein de noms à donner à un rageux. Puis si tu viens de commencer ta chaîne YouTube, ben y'en a sûrement qui t'ont rendu visite. Puis moi! On parlait même pas! J'ai au moins eu 5 fois mes 100 abonnés! Je pense que j'ai plus de rageux sur ma chaîne que d'abonnés fidèles. Bordel, ça à quoi de vous abonner alors que vous désabonnez à la fin? C'est complètement con! Et le pire! C'est le gars qui critique en t'insultant tout simplement. Aucune raison valable, le gars il se fait plaisir, y'a rien à faire dans sa vie, pas autre chose à faire dans ta vie. Non! Puis mon métier! Pire imitation ever. En tout cas, le truc c'est pas de riposter puis l'insulter. Non, non, non! C'est de. De répondre gentiment! Oui, je sais, c'est pas facile. Je vous dis, c'est utile parce que ça fait gagner au moins un abonné. Oui, je sais, c'est pas beaucoup. Si tu serais moi, tu comprendrais. La morale de l'histoire, c'est juste. Laisse-toi pas influencer par ces petites caves et continue ta passion. Rien pourra t'en empêcher. Regarde, moi, j'ai perdu 3 fois mes 1000 abonnés et puis je suis pas mort. Puis je continue à faire des vidéos. Oui, je sais, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéos ce temps-ci, là, mais... Les études. Voilà. Belle excuse. Oui, je sais, la vidéo était courte, mais bon, je fais de mon mieux parce qu'en vrai, on a des études, puis je dois fucking gros étudier parce que là, on est dans 3e étape, puis vous savez que c'est fucking dur. Si jamais tu peux liker, partager, voilà, tout ça, vous savez quoi. On se retrouve dans une prochaine. Ciao! Non, c'est pas original ça. Qu'est-ce que je préfère? Ah oui! Ciao!